Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un vlog, donc pour une nouvelle vidéo. Là, je reviens de la salle, donc j'ai fait du squat et après j'ai fait les pecs. Donc j'ai fait 4 x 3 à 120 kg au squat, donc je suis plutôt content qu'ils sont plutôt bien passés. Et après, développé couché, j'ai fait mes reps à 100. Je vous ai filmé à chaque fois une série de chaque. Là, je vais me faire un petit goûter et puis après, je vais réviser pour ma colle puisque demain j'ai colle. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais un petit peu plus vous expliquer mes études, ce que je fais. Donc, je suis à Polytech Lyon, en école d'ingénieur, en prépa intégrée. Et donc, tout au long de cet épisode, je vais vous expliquer un tout petit peu plus en quoi ça consiste. Avant ça, il faut que je vous montre quelque chose. J'ai fait une terrible bêtise. Voilà, je vous montre. Voilà, en fait, j'ai eu un petit souci. Genre, me demandez pas comment c'est arrivé, mais du coup, j'ai une partie de la chaise qui est partie. Donc là, elle a actuellement 3 pieds, comme vous voyez, quoi. Donc, j'ai acheté de la super glue avant. Je vais essayer de recoller tout ça, mais on va essayer de ne pas faire sauter la caution pour si peu. Après, techniquement parlant, elle a 3 pieds, mais je peux quand même m'asseoir dessus. Ok. Je peux pas m'asseoir dessus. Ok, je viens de finir de bosser pour ma colle. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une colle, c'est quoi ? Eh ben une colle, c'est pas l'heure de colle, la punition, non, c'est K-H-O-2-L-E. Et c'est pendant une heure, on est au tableau, devant un exercice. Ben moi, j'ai quasiment que des colles de maths. J'en ai juste deux, une de physique et une de chimie. Et donc, on va être pendant une heure devant un prof qui va nous donner des exercices, soit des questions courtes, soit des exercices. Et donc après, pendant une heure, on va devoir les réaliser et puis il va nous aider à le faire. Donc moi, pourquoi j'ai ça? Parce que je suis en prépa, donc c'est une prépa scientifique, c'est intégré à l'école Polytech. Donc pendant 2 ans, c'est encore des cours très abstraits, j'ai beaucoup de maths, vraiment beaucoup de maths, j'ai de la physique-chimie, j'avais de l'informatique, maintenant j'ai de la mécanique. Et donc, pendant ces 2 ans, ça reste un petit peu la continuité du lycée. En fait, c'est un petit peu comme une prépa générale, c'est peut-être un petit peu plus facile. Et puis à la fin des 2 ans de prépa, on a un classement. Et en fonction de ce classement, on nous attribuera une école en fonction de nos voeux. Puisque du coup, il y a plein de polytechs en France. C'est un grand réseau. Il y a même d'autres écoles qui font partie du réseau. Et moi, en fait, pour intégrer cette école, j'ai fait le parcours GEPI Polytech. Donc, j'ai dû passer un concours écrit. Il y avait des grands classés qui passaient juste un oral. Et puis moi, j'ai dû passer un écrit. L'écrit était super dur, d'ailleurs, j'ai trouvé. Mais au final, j'ai eu à peu près, je crois, 10 dans les deux matières. J'ai passé en maths et en physique-chimie. Et en fin de compte, j'ai été admis donc à Polytech Lyon. À savoir que la prépa que vous faites dans le Polytech n'a absolument rien à voir avec vos vœux après. Il n'y a pas de compensation. C'est pas parce que vous avez fait votre prépa à Lyon, à Nancy, à Marseille ou à Annecy-Chambéry. Ça changera absolument rien. Donc voilà, si jamais il y en a qui ont des questions ou quoi, n'hésitez vraiment pas à venir me poser des questions là-dessus. Ça se trouve, vous en avez rien à faire, mais voilà, en tout cas, je vous parle un petit peu de mon expérience à Polytech. Donc voilà, la première année, c'était pas super facile. Je dis la première année en mode c'est passé, mais je suis encore carrément en plein dedans, même si là, on arrive à la fin du second semestre. Le premier semestre, en ce qui me concerne, était assez difficile. Surtout, il y avait franchement un vrai gouffre, je trouve, avec le lycée. La méthode de travail était vachement différente, et puis la charge de travail aussi. Au final, on s'y habitue, et puis voilà, j'ai quand même bien passé le premier semestre. Et puis maintenant, le semestre 2 se passe beaucoup mieux. Et puis après avoir la suite, comment ça va se passer. Et ce qui est cool aussi, c'est que moi, je suis vraiment tombé dans une bonne classe. Il y a une bonne ambiance. Tu fais des vraies bonnes connaissances. Donc ça, c'est cool. Et puis franchement, ouais, il y a pas de concurrence comme des fois. C'est un peu les rumeurs qui traînent comme quoi en CPGE. Donc les prépas normales, il y a beaucoup de concurrence. Tout le monde se marche dessus. Mais en tout cas, ici, c'est absolument pas le cas. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai absolument rien à foutre de la concurrence. Voilà, on va juste éliminer ceux qui veulent faire SP Méca à Lyon dans 2 ans. C'était pas drôle du tout. Bon, je vais pas spécialement vous filmer les trucs à Polytech même. Déjà, le bâtiment lui-même Polytech, moi, j'ai pas souvent cours dedans. J'ai cours à plein d'autres endroits, mais pas à Polytech. Et puis même, je me vois mal sortir le téléphone en plein amphithéâtre pour vlogger. Bon, je suis moyen à l'aise avec ça. Et après, ça vaut quand même, je pense, la peine de s'accrocher. Parce qu'après, à la fin, vous avez un diplôme d'ingé. Et puis, je pense qu'après, pour trouver du taf, c'est plutôt cool. Maintenant, il est temps de réparer ma chaise. Donc, comme je l'ai annoncé, j'ai acheté de la super glue. Alors, la dernière fois que j'ai utilisé ça, je m'en suis collé plein les mains partout. Ok, déjà, j'arrive pas à l'ouvrir.
Ok. Là, il va s'agir de faire les choses bien. On dirait pas une béquille un peu. Ma stratégie est la suivante. Je vais mettre de la colle sur tout le contour et je vais coller. Et j'ai pas envie de repayer la caution. Bon, on va faire les choses bien. Allez, c'est parti. One eternity later. Ok. C'est déjà en train de couler. En vrai, je le sens pas. Je pense pas que ça va tenir. Je sais pas pourquoi je pense pas que ça va tenir. Bon, on va voir ce que ça donne. Merde! Oh non, mais je trouve ça... Mais ça colle pas, en fait. Mais il m'a arnaqué, le mec. Il m'a pas vendu de la colle. Mais je me suis fait arnaquer. Il m'a pas vendu de la colle. Putain. Ok, alors. Verdict. J'ai de la colle plein les doigts. J'ai pas l'impression que ça colle. Ouais!